Je sais pas du tout quoi dire. Ah oui, pardon. Recommence, attends, on va remettre au début. Décidément, ça ne va pas. Son regard, parfait. Ça, ce sera le bon terme. Bonjour, je m'appelle Geoffrey Chalon et je suis le chargé de projet pour tout ce qui a trait à la nature et à l'alimentation. Donc, c'est une ASBL d'éducation à l'environnement. On a créé l'éco-centre ici à côté du Pré du Banneux, qui est un lieu d'apprentissage autant pour les savoirs que pour les savoir-faire. Alors, d'abord, c'est un acronyme qui veut dire Centre d'initiative pour une transition écologique. Et puis, au-delà de ça, on évoque le mot cité, la ville, parce qu'on estime que nos villes, et notamment Liège, doivent prendre les choses en main pour créer le monde de demain. Alors, on crée tout un tas d'activités qui peuvent être des balades, des ateliers, des chantiers participatifs, des formations, autour de quatre grands thèmes. Donc, nous, on a l'habitat, l'énergie, la nature et l'alimentation. Pour moi, c'est clairement l'endroit. On a un lieu un peu magique, c'est vraiment super joli. On a plein de choses à montrer et puis on fait un trait d'union entre la ville et la nature derrière nous. Alors, pour moi, tout d'abord, c'est inciter les gens à sortir de chez eux, à prendre de l'oxygène, à s'apaiser grâce à la nature, mais c'est aussi les ateliers cuisine et les tables d'hôtes qu'on organise autour des thèmes des plantes, du potager et du bien-être. On essaye de rendre les gens plus débrouillards au sens large, mais notamment via l'éco-construction, où en fait l'endroit ici est un lieu didactique, où on apprend plein de choses, et donc le but c'est vraiment de se rendre plus autonome en fait. Pour moi, clairement, c'est pouvoir essayer de faire changer de regard pour les participants par rapport à leur environnement proche. Je dirais au matin un peu de bureautique, travail de bureau, à midi on aura une réunion d'équipe, et puis l'après-midi ce sera la mise en place d'animations, d'activités plutôt à l'extérieur, voire du travail dans le potager. Et puis au soir, avec un petit peu de chance, on va peut-être organiser un after work et donc je devrais travailler au bar. Stimulant. Des activités autour de la culture des plantes notamment, mais aussi des plantes sauvages comestibles. Venez nombreux parce que pour moi c'est hyper important de pouvoir participer à ce genre d'initiative. Bienvenue à vous.